All power to the people. 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 De la détention du côté des familles. J'ai eu en fait l'idée d'écrire ce livre parce qu'en 2016, il y a eu une énorme grève qui a duré 2 mois. Une grève qui a été absolument horrible parce que les détenus ne sont pratiquement pas sortis de leurs cellules, n'ont pratiquement pas été nourris, n'ont pas été amenés au palais, les soins n'ont pas été suivis. Enfin bref, il y a eu un gros manquement au niveau des droits de l'homme et des droits des citoyens, tout simplement. Et je me suis dit, ce n'est pas juste, il faut faire réagir la population. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler autour de moi. Et je me suis finalement heurtée au silence, aux insultes, au rabaissement, pour la première fois. Puisqu'avant ça, j'en parlais jamais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut... à ce point, être dans une haine envers des gens finalement qu'on ne connaît pas. Et donc, insulte, sur rabaissement, sur silence. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut en parler, il faut bouger. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. Par rapport à l'univers carcéral, la première fois, quand on ne connaît pas l'univers carcéral et qu'on ne l'a pas dans certaines familles, il y a des générations, plusieurs générations parfois, qui connaissent l'incarcération. Moi, ce n'était pas nécessairement mon cas. Donc j'ai vraiment découvert ça du jour au lendemain, comme ça, par la violence finalement du système. Et donc un jour, je suis arrivée... comme tout le monde le sait, à la prison de Forêt, parce que c'est là qu'on met les prévenus. Et j'ai été embarquée dans un espèce de mécanisme violent. Personne ne m'a adressé la parole, personne ne m'a dirigée vers quoi que ce soit. J'ai été enfermée finalement sans le savoir, et à ce moment-là, contre mon gré. Les agents m'ont à peine considérée. J'étais ni regardée, ni traité finalement de manière humaine. Et j'ai commencé à lire énormément de choses sur le passé des prisons, à essayer de me renseigner, à parler aux autres familles, et ils m'ont dit, mais oui, l'univers carcéral, c'est comme ça, et on ne peut pas faire autrement, il faut te soumettre, il faut te plier à cette violence, où tu ne pourras jamais voir la personne que tu aimes, que ce soit ton père, ton frère, ton époux. Donc tu dois te taire, tu dois plier, et tu dois dire amen à cette violence, sinon voilà, tu ne pourras rien faire. Et j'ai trouvé ça monstrueux. Il y a des familles, des enfants qui normalisent cette violence et qui pensent que finalement la vie c'est ça. Il y a des êtres humains qui sont dominants, on va dire, et d'autres qui sont dominés, et il faut l'accepter, et c'est comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui me... à chaque fois que j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions parce que je comprends pas comment est-ce qu'un problème social et humain ne peut pas intéresser finalement les autres êtres humains. Et après la découverte de l'univers carcéral, il y a un espèce de problème identitaire en tant que femme qui commence à s'instaurer. il y a un problème identitaire en tant que femme parce qu'on se dit le temps s'arrête. Donc si le temps s'arrête pour mon époux, le temps s'arrête pour moi aussi. Et donc malgré le fait que les années continuent à passer, on se dit finalement je ne suis qu'une femme de détenue
Je n'ai pas le droit d'aller chercher le bonheur au-delà des murs. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai pas le droit de faire certaines activités parce que lui n'y a pas droit. Et donc il y a une culpabilisation aussi de l'enfermement. Il y a une espèce d'obsession aussi pour tout ce qui se passe à l'intérieur et auquel on n'a pas accès. Il y a une idéalisation aussi des retrouvailles. Et après un certain moment, on se dit, mais finalement, je suis peut-être juste une femme avant tout. Et c'est ce que j'ai essayé de développer, parce que forcément je suis une femme, mais c'est ce que j'ai essayé de reconstruire dans ma vie, cette identité de femme avant tout. Et à partir de ce moment-là, en tant que femme, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés, qui ont questionné mon choix. J'ai fait le choix finalement d'être maman. Après plusieurs années, on s'est dit, mais finalement, nous avons droit à ce bonheur. Nous avons le droit de désirer être parents même derrière les murs. Évidemment, à la condition que cet enfant soit encadré, qu'il soit heureux aussi, qu'il puisse connaître son père et qu'il soit élevé dans de bonnes conditions. Et là, évidemment, c'est tout un cheminement assez complexe. Et je sais que cette décision peut parfois paraître un peu égoïste pour certains, peut questionner pour d'autres, mais je pense qu'il y a peut-être que les mamans qui pourront comprendre cet état d'esprit par rapport à ça. À partir du moment où je suis devenue mère, c'est à ce moment-là finalement que j'ai cessé d'accepter la violence de l'univers carcéral, parce que cette violence se répétait sur mon fils. Et à partir de ce moment-là, on devient de véritables louves et on n'accepte pas cette violence sur notre fils. En tant que femme, on peut faire des concessions, on peut accepter de subir beaucoup de choses pour l'homme qu'on aime, mais pas quand on touche à nos enfants. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été le bras de fer avec les agents. Ça a été... Alors déjà que le lien enfant-père est assez difficile à construire dans ces conditions, ici, c'est devenu un véritable bras de fer entre le fait que... qu'on me demande de déposer mon bébé sur une table, le fait qu'on refuse de le prendre dans les bras pour m'aider à me rhabiller, le fait que dans certaines prisons, certains enfants n'ont aucune liberté de mouvement, donc ils sont derrière une ligne, ils ne peuvent pas en bouger. Pour des enfants, c'est impossible. Ils jouent dans la crasse. Ils sont certains agents, dans certaines autres prisons, leur hurlent dessus quand ils font un peu trop de bruit. Ils sont finalement traités comme on traite les détenus. Alors je ne dis pas qu'il faut traiter les détenus comme ça, mais pas des enfants qui n'ont rien demandé. Et du coup, ça devient très, très difficile à supporter. L'incarcération devient très difficile à supporter en tant que famille plus étendue. Et je pense que... Enfin, par rapport au maintien ou à la création de liens par enfant, je pense que Stéphanie pourra vous en dire un peu plus. Puis après, on pourra. Nous sommes actifs dans 11 prisons, 3 ailes féminines. Et donc, notre préoccupation, et c'est vraiment notre mandat, c'est le maintien du lien enfant-parent. Alors, il y a les petites histoires d'État et de 6e réforme, où officiellement, on ne travaille que dans le maintien du lien du détenu, mais nous avons un agrément protection des mineurs spécial. Rien que ça, ils ne veulent pas comprendre qu'on est obligé d'aller des fois, quand la maman nous appelle à l'aide ou l'enfant, on est obligé d'aller là-bas, donc nous ne sommes pas rémunérés. En gros, tout le monde fait du bénévolat. Et les 3/4 de nos mandats ne sont pas reconnus. Soit. Ce que m'a été expliqué, c'est que globalement, la prison, en fait, un détenu... Enfin, déjà, on est dans une société très jugeante. Moi, c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus. On n'est pas des juges. Donc j'estime que, voilà, le fait d'être... À la base, ils étaient un couple normal, entre guillemets, et de devenir femme de détenu, c'est une étiquette qui change et qui stigmatise. On a ces enfants aussi. En général, j'essaie de représenter leurs paroles parce que ces enfants ne vont jamais parler.
vont jamais dire « papa, il est en prison » parce que c'est les emmerdes à l'école, les camarades vont se moquer. Donc, en général, c'est quelque chose qui les tue. Donc, c'est « papa travaille sur un pétrolier », on en a beaucoup. Il est « papa, il est à l'hôpital, il est malade ». Donc, on a énormément de cas comme ça. Et ces enfants se construisent déjà avec un problème d'estime de soi, qui est très très grave et qui n'est pas sous-estimé. Et en plus de ça, il y a tout le phénomène de reproduction. Donc on essaye de créer. Comment on travaille? Donc déjà, souvent, on n'a pas... Eteva, en général, accompagne son enfant. Donc souvent, c'est des familles qui sont explosées, parce qu'une fois que papa est condamné 25 ans, en général, ou maman, l'autre va peut-être ne plus supporter à un moment donné ces histoires de 400 euros pour les soutenir, pour qu'ils cantinent, ou sinon ils ne mangent pas et très mal, voire sont sous-alimentés. Donc on va essayer... En général, c'est dans ces cas-là qu'on intervient. Donc dans les cas plus difficiles, ou même si les parents s'entendent bien, la maman ne supporte plus l'incarcération, elle est en prison, ce qu'on peut comprendre, nous on n'est pas là pour juger, on est là pour essayer de créer une temporalité là où il n'y en a plus. Donc on les accompagne le mercredi après-midi, et en fait ce qu'il faut savoir, à la différence des prisons, des visites normales, c'est qu'en fait les intervenants nous connaissent, les agents, donc on vient avec des groupes d'enfants, il n'y a pas de surveillance, donc les parents peuvent jouer. Le papa peut courir à quatre pattes et c'est pas comptabilisé en plus comme une visite. Donc c'est un moment à eux. Et si l'enfant vient avec la grand-mère, l'oncle, le frère, ils doivent régler des histoires entre eux. Et en plus, il y a une tension énorme dans cette salle. Or, avec le relais, ils sont un peu en dehors. Donc plus on organise des fêtes, des anniversaires des enfants. Donc c'est une photo, c'est un petit cake. Parce qu'on refuse les cadeaux à 200 euros pour éviter qu'un enfant reçoive un iPad et l'autre, il a un petit jouet à 20. Donc l'idée, c'est plus la symbolique du parent détenu qui a le droit de donner à son enfant, qui fête quand même un petit moment, quand même une petite activité entre eux. Ils peuvent jouer au ballon, quand il y a des petites courses, ça dépend des prisons, ils ont le droit de jouer à la trottinette, des petites choses qui font que voilà, ils sont un peu parents pendant quelques heures, quoi. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus, mais il faut savoir qu'en Belgique, c'est quand même 15 000 enfants concernés. Et selon les derniers chiffres, parce qu'évidemment, ce n'est pas le premier truc que l'État va faire en recherche, selon les derniers chiffres, c'est 20 000 enfants concernés. Et concernés actuellement. Hein. Donc on ne parle pas de toute cette génération qui a été traumatisée, notamment par l'arrestation, parce que les juges ne tiennent pas compte. Souvent, les détenus ne sont même pas ni armés ni dangereux. Il suffirait de sonner, d'aller le prendre ou d'attendre que le gosse sorte de la maison pour aller à l'école. Donc rien que les Kalachnikov avec les mecs cagoulés qui débarquent. Et c'est l'équivalent, c'est des symptômes de post-mortem. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des symptômes traumatiques sur les enfants. Donc en général, c'est mes intervenants qui travaillent dessus. Et il faut les choper, ces enfants-là, parce qu'il y a des troubles scolaires, des troubles de la personnalité. Je veux dire, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les aider. Des fois, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, donc essayer de mettre des mots sur leurs craintes. Certains viennent en prison, sont plus petits, ne se rendent pas compte où ils vont, ce qui est le cas, par exemple, de son bébé. Et on n'est pas là pour juger, on est là pour soutenir et aider. Quand les papas et mamans sont en conflit, alors on va essayer de convaincre la personne à l'extérieur et leur dire « Oui, mais vous n'avez pas le droit de les priver. » Même si, des fois, c'est juste pour accompagner dans un au revoir, parce que le centre, ça reste l'enfant pour nous. L'intérêt, on est là pour les protéger. Et j'expliquais à Pauline tout à l'heure, j'ai une de mes meilleures amies dont le papa était braqueur dans les années 70. Et je lui dis, mais tiens, on cherche des enfants détenus, est-ce que tu voudrais pas témoigner? Et elle a éclaté ensemble, tout de suite. Elle fait, Steph, me demande pas ça, me demande pas ça, c'est trop dur. Donc maintenant, on a 40 ans, on est toutes mamans. Elle dit, les gosses ne sont même pas au courant de mon passé, tandis qu'elle a quand même été longtemps en prison, voir son papa ou sa maman. Et ça, c'est un phénomène dont les gens ne se rendent pas compte. Et c'est pareil pour les détenus. Maïté, pour moi, n'est pas femme de détenue, c'est une maman, je veux dire, elle a un compagnon. Et est-ce qu'ils sont obligés de subir la double peine? Parce que, ou la triple peine, en fait, parce qu'on peut parler de la double peine, c'est celle des enfants. Où j'entends un enfant de 7 ans qui dit, dans 3 ans, papa, il sera de nouveau dans la cuisine avec nous. Et l'enfant arrive, et l'autre est trop petit. Ouais, toi quand tu auras, et alors ils ont d'autres points de repère. Mais dis avec nous, donc, quelque part, ils vivent cette condamnation aussi. Je pense qu'on est au 21e siècle, et là, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, et l'humanité s'arrête aux portes de la prison. C'est-à-dire que là, on est dans une espèce de no man's land juridique. On dit en théorie, hein, la théorie est superbe. Dans les 48 heures, ils doivent voir des AS et connaître leurs droits, avoir un avocat. Déjà, on voit les condamnations souvent. Je me dis, tiens, si mon fils faisait ça, je suis sûr qu'il n'irait pas en tôle. C'est horrible de se dire ça. C'est comment on se défend, la capacité de la langue. Certains, c'est des crimes économiques. Par exemple, à Berkendal, on a des femmes, c'est des mules. Souvent, elles ont la pression au Pérou ou en Équateur pour faire passer de la drogue. Elles sont arrêtées. C'est pas des criminels. Hein. Mais en plus, elles n'ont même pas accès à leurs enfants. Et là, ce que l'État nous dit, c'est que si vous ne faites pas des visites, vous ne devez pas aller les voir.
fait, on les laisse comme des chiens, quoi. À la base, elle est pour un problème économique. Là, maintenant, on va avoir des repentis qui arrivent. Avant, on faisait au cas par cas, en fonction, on passait devant un juge. Maintenant, c'est systématiquement la tôle. Tandis que ces femmes-là vont arriver dans des états catastrophiques. C'est pareil pour certains hommes. Certains papas qu'on rencontre, en fait, ont peur de donner les noms des enfants parce qu'ils ont peur qu'il y ait des descentes chez eux. Donc on se retrouve avec plein de problèmes. On parle, nous, avec toutes les confessions, déjà, il faut le savoir. Et donc, certains imams nous contactent et nous disent, ouais, comment vous pouvez faire? Donc on essaie de trouver des solutions et à un moment donné, je crois que la parano est grande parce qu'on a un gouvernement qui est celui qui est. Les peines alternatives n'existent pas. En théorie, en prison, parce que là, on va parler pour les détenus, ils ont droit à des formations. Quand on a une condamnation de 7 ans, ah, il faut savoir, excusez-moi, on va commencer par 75% sont considérés comme en dessous du seuil de pauvreté. On va parler du manque de formation en général. Donc, c'est pas non plus tout le monde qui y va. C'est pas rarement le bac plus 7 qui y va. Et ces enfants-là, ou ces jeunes détenus, est-ce que c'est pas l'occasion aussi, vu qu'ils sont enfermés, de leur donner une formation? Il y a 3% des détenus qui ont droit à la formation sur les longues peines. Ceux qui ont des problèmes psychiatriques, parce qu'il faut savoir que c'est un taux énorme, dans ceux qui ont des problèmes psychiatriques, la majeure partie ne sera pas suivie. Or, pensez à quelqu'un qui a... On peut tous avoir même ne fût-ce qu'une montée d'adrénaline, des angoisses ou des machins. Moi, je prends un peu de rescue, c'est homéopathique. Ils n'ont rien. Et donc, l'angoisse, l'univers carcéral, s'il y a un terreau fragile au niveau des pathologies mentales, ou même des gens normaux, tu les mets au cachot pendant... Vous et moi, on va au cachot pendant une semaine, on se balance, on a des symptômes. Et quand on dit, là, maintenant, notre gosse, non seulement il est enfermé, on a mis 2 heures pour le faire venir de Arlon avec un bénévole jusqu'à la prison, et vous me le mettez au cachot, donc on est en train de voir des députés pour faire changer la loi au nom du droit des enfants. Parce que le détenu, comme on est dans une société qui juge, et le criminel est méchant, peu importe son parcours et son histoire, moi, je suis pas juge. Je suis là pour que ça se passe bien. Mais si l'enfant est devant la prison et vous ne me faites pas rentrer pour voir son père, je me fâche. On est en train d'essayer de changer, de faire un accord de principe pour Bruxelles et de contaminer. Donc on essaye, hein. C'était une bonne chance. Mais on essaye de faire changer les barrières et les choses, parce qu'évidemment, les enfants détenus ne vont jamais parler. Et une fois que papa ou maman sont sortis, ils sont adultes, ils ne veulent plus savoir, c'est la période dure de leur vie. Maïté, pour moi, c'est une jeune femme courageuse, parce qu'elle est très jeune par rapport à moi, je veux dire, ça pourrait être ma toute petite sœur. Mais elle a osé être le porte-parole. Moi, je serais peut-être le porte-parole des enfants, mais elle va être le porte-parole de toutes ces femmes. Parce qu'il faut savoir que 85% des détenus sont des hommes, en fait. Donc je vais attirer aussi l'attention sur les femmes détenues. En général, quand c'est le monsieur qui est en papa, qui est en prison, l'enfant est chez maman. Mais quand c'est maman qui est en prison, dans les 3/4 du temps, ou c'est la grand-mère, la tante, la sœur qui va le récupérer, ou sinon ils vont être placés. Et là, ils deviennent très très fragiles. Donc pareil, aucune attention n'est portée à eux, parce que tout le monde s'en fout, hein, c'est finalement... Être enfant des détenus, c'est pas être enfant d'un bon belge ou belge, je sais pas si on peut dire ça, d'un banquier, voilà, d'un banquier. Parce que peu importe la nationalité, finalement, c'est l'état du compte en banque qui compte et qui prime. Donc voilà, Maïté, je pense qu'elle a le courage déjà de le faire, mais quand j'entends qu'elle s'est fait agresser en rue parce que c'est la femme du prisonnier et qu'ils l'ont vue à la télé, ça devient très dérangeant pour nous, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Citoyennement, déjà, cet appel à la tolérance et à pas juger. Parce que ce qui prime dans leur histoire, c'est quand même, à la base, une histoire d'amour. Et il y en a déjà tellement peu. Donc, voilà. Et on va passer la parole à Serge, aussi, qui a un papa, n'est-ce pas? Oui. Déchu. Donc, déchu, voilà. Ouais. On n'a pas pu convaincre en tant que relais enfant parent. Non, mais bon, c'est vrai que, d'ailleurs, une de mes chansons, je parle dans le refrain de l'enfant déchu, l'enfant exclu, l'enfant... Voilà, parce que moi, ça a commencé très peu tôt. Moi, c'est Serge, j'ai passé 27 années en détention, donc en prison. J'ai fait quelques années ce qu'on appelle aujourd'hui des IPPJ. À l'époque, on appelait ça des maisons de correction, de redressement. Donc voilà, j'ai un parcours classique du délinquant qui a été très tôt livré à l'humain, placé tout le temps à l'institution. Donc ça a fait moi un rebelle, hein, donc je veux dire, à la limite c'était presque classique que je me retrouve en prison. Et en prison, je m'évadais, je faisais rentrer la désarme et tout, donc mes peines, je me suis retrouvé à 40 ans de condamnation. Mais j'ai eu une vie sentimentale, puisque je suis papa de 2 fils et grand-père de 3 petits-enfants. Le seul souci là, dans cette histoire, c'est que je n'ai aucun contact avec eux, parce qu'ils n'en veulent pas. Je n'ai plus aucun contact avec ma famille, ces 27 années de détention a tout détruit sur le passage, quoi, je veux dire. J'ai été amoureux
et les filles avec qui j'ai eu deux fils aussi. Je veux dire, la détention, au fur et à mesure, a tout détruit. Parce que voilà, la prison n'est pas là pour construire. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir tisser des liens vraiment forts avec ma famille et avec mes enfants. Mais voilà, je n'ai eu personne pour me les amener. J'ai même perdu mes droits de paternité, alors que je n'ai aucun délit de mœurs ou avec les enfants. J'étais un voleur, quoi, je veux dire. J'ai toujours été condamné que pour ça et mes évasions. Et pourtant, j'ai perdu mes droits de paternité. Donc, c'est vrai que quand je suis sorti, j'ai repris contact avec mes enfants pour essayer de quand même essayer de vivre. Bon, le plus grand m'a dit que son père, c'était celui qui l'avait élevé. Alors que j'ai quand même tenté en prison d'avoir des contacts, j'ai essayé à travers les aumôneries, puisque à mon époque c'était plus à travers, il n'avait pas encore vraiment, c'est venu sur les fins comme moi, parce que je suis sorti en 2004, je suis sorti pratiquement à 50 ans, j'en ai 62 maintenant, mais j'ai connu la prison la première fois à 13 ans, mineur d'âge, je me suis retrouvé dans cet univers, et vous savez, j'ai été livré très tôt, c'est pas pour me trouver là des excuses, mais un enfant quand il est livré, mais voilà, on ne choisit pas sa famille comme on dit, moi j'ai pas choisi la mienne, ça s'est mal passé pour moi. Et j'ai essayé d'en construire une, parce que tout en étant voyou, je rencontrais là des gens, donc j'ai eu un fils, j'étais très content, mais une fois que j'étais en prison, bon voilà, ça a été fini. Et j'ai été arrêté, je me souviens que tu parlais de ça tantôt, j'ai été arrêté par la POSA, j'étais avec mon ami et notre enfant, et mon enfant tout petit a déjà vécu ça, donc mais une arrestation violente, où ils mettent la cagoule, ils vous mettent dans le coffre, tout ça. La POSA, je ne sais pas si ça vous parle, c'était un escadron spécial qui faisait des arrestations à risque, puisqu'on était censé être armé. Mais ils ne s'occupent pas de la famille, ils n'en ont rien à faire. Et pareil en prison, vous savez, là, les filles que j'ai rencontrées, elles sont venues me voir au départ, mais ça n'a pas duré, parce que c'est un chemin de croix, vraiment, venir au parloir, s'occuper de son homme qui est là. Bon, voilà, je me suis même marié en prison. Je me suis marié à la prison de Bordeaux, en France, où j'avais été arrêté après une évasion. Et on s'est marié parce qu'on était amoureux, tout, on voulait construire quand même si je savais que j'avais encore quelques années à faire, puisque comme je vous dis, je me suis retrouvé avec 40 ans de condamnation, donc on s'est marié, j'étais en haute sécurité, nous avons eu même des surveillants comme témoins, j'avais pas le droit de faire venir à des gens, donc vraiment, on nous a retiré, on s'est marié parce qu'on s'aimait beaucoup, et on voulait créer un lien supplémentaire, mais ce lien, bon, ils l'ont détruit quand j'étais, vous savez, j'ai eu 2 heures de parloir derrière une vitre pour notre mariage. Entre temps, c'est interdit par la loi. La vitre, à part cas exceptionnel, mais oui, c'est mais ils ont toujours, ils peuvent mettre par mesure de sécurité. Nous avons été devant le Conseil d'État pour faire tomber ça. Ça n'a pas marché, parce qu'ils se sont retranchés sur le truc sécuritaire et comment on avait fait rentrer une arme. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on pensait aussi que devant le Conseil d'État, ça allait tomber. Ben non. Nous avons été déboutés. C'est nous qui devions prêts à payer les frais de procédure. Enfin, ce que je n'ai pas fait, parce que bon, je suis indigent, parce que je ne vole plus, enfin, de mes propres ailes, même. Et donc voilà, c'est vrai que maintenant, moi, je vis avec ça, parce que faire, je suis papa, je suis grand-père, et je ne peux rien effacer, quoi. Et le pardon, c'est pas facile aussi, de pardonner. Donc moi, mes enfants, ils ont vécu un traumatisme, je le sais, et je ne sais pas comment faire, bon, ça fait 14 ans que je suis dehors, et je sais encore, parce que je resterai à jamais un homme inachevé. Moi, j'ai pas fait de ces enfants, c'est vrai qu'au départ, on les voulait. Et donc voilà, donc la détention, oui, si encore une fois, il y avait des choses positives que je pourrais vous dire sur la détention, rien. Je peux rien vous dire de positif, je n'ai que du négatif. Moi, on m'a mis la tête sous l'eau, comme on le fait d'ailleurs avec les détenus. Vous savez, quand vous sortez, on vous demande de travailler. Vous allez dans les intérims, voilà quoi, on vous demande des certificats de confirmation. J'ai fait 27 années de prison, je n'ai aucune formation. J'ai rien, je suis sorti, j'ai fait 5 années primaires. Je n'osais même pas le dire, je dis, ils vont se moquer de moi. Bon, c'est avec la 5e, j'ai fait 3 ans, j'ai fait un master's. Mais bon, voilà quoi, c'est. Mais aucune formation, bon, c'est vrai, j'ai appris à écrire et à lire, tout ça. Bon, la police m'a beaucoup aidé avec les pro-justiciaires que je signais, tout ça. Donc, je prenais l'habitude à écrire. Mais autodidacte, je veux dire. En plus, une fois qu'on est rebelle en prison, évidemment, le chemin est plus difficile. Parce que vous imaginez la pire des dictatures sur Terre, ce sont dans les prisons aussi.
où là vraiment vous n'avez plus aucune dignité, aucune responsabilité, aucune initiative sur votre vie, vous êtes vraiment institutionnalisé dès le matin, hein, l'heure où on se réveille, tous, on mange, on décide sur rien, quoi. Et après on nous jette dehors, on dit maintenant assumez, quoi, devenez un homme, enfin ça marche ainsi, la preuve, on a un taux de récidive. Mais pour revenir sur le lien parent-enfant, ben, évidemment, c'est... moi j'aurais beaucoup aimé pouvoir vivre avec ça parce que je me rends compte que ça m'a manqué et que je n'ai même pas, j'ai pas grandi avec ce sentiment paternel, quoi. Je n'ai jamais, j'ai pas vu mes enfants grandir, je sais pas. Une fois j'envoyais des cadeaux, on me les renvoyait. Enfin donc voilà, donc c'est difficile, même si on est en prison quelque part, c'est parce qu'on a commis là, des choses. Mais ça, moi ça a détruit tout dans ma vie. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis autour de moi, mais de ma famille j'ai personne, quoi. La prison elle m'a tout pris. Mes parents ont été en prison aussi à cause de moi. Donc ça a encore cassé plus les liens, quoi, parce qu'ils m'ont aidé à m'évader une fois. Quoi, et... bon, maintenant, les parents peuvent aider un détenu à s'évader, c'est légal. Ouais, mais le problème, mon père m'avait fait rentrer une arme à feu, donc avec cette arme à feu, j'ai tiré sur deux surveillants, ils ne sont pas morts, mais ils ont été blessés. Donc évidemment, mon père et ma mère et ma soeur se sont retrouvés en prison. Quoi. Bon, ils ont été libérés au bout de deux mois, mais enfin bon, voilà. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que je vous dis que pardonner, c'est difficile, parce que quand vous avez des parents qui viennent, parfois les détenus ont des demandes aussi, hein, qui peuvent être illégales, quoi, je veux dire, hein, ou immorales, ou n'importe quoi. Donc voilà, quoi, et les parents se mettent. J'ai connu beaucoup de papas, de mamans, de frères et sœurs qui se sont retrouvés en prison pour avoir fait rentrer de la drogue, alors que c'est pas leur milieu, ou voilà, quoi, pour le bien du détenu. Différentes choses. Donc voilà, la prison, c'est un endroit de destruction. Et c'est dommage, parce que, vous savez, nous sommes dans quand même un pays civilisé, et quand on voit ce qui se passe dans le Nord, hein, en Suède, au Danemark, en Finlande, en Islande, dans tous ces pays, et même trop loin, en Hollande, et au Luxembourg aussi. Hein, au Luxembourg, ils ont adopté pendant tout un temps les prisons ouvertes. Voilà, parce que... Et tout est misé sur la réinsertion, parce que c'est un peu le but, ça va mettre les gens sur les rails, qu'ils puissent se reprendre en charge avec les liens de famille et recommencer une nouvelle vie. Quoi. Mais ici en Belgique, c'est pas ça. Vraiment. Et la seule imagination, enfin, on n'a aucune imagination, mais tout ce qu'on sait faire, tout ce que nos politiques savent faire, c'est construire des prisons. Ils vont la construire, celle de 1300 places. Hein, c'est, hein, et puis maintenant, ils parlent encore dans un projet de construire des prisons de haute sécurité, donc pour mettre les cas les plus difficiles. Donc on reste dans le sécuritaire, et tout le reste, c'est du blabla, et que faire, ben, heureusement qu'il y a quand même encore des ASBL, comme parents-enfants, tout ça, qui peuvent rentrer en prison et créer, enfin, essayer de créer ce lien. Parce que voilà, je pense que c'est important. Bon, je vais m'arrêter. Il faut savoir une chose, c'est que les Italiens, qui sont un peu plus avancés, ont fait des études poussées et ils prouvent que ceux qui maintiennent le lien ont un taux de récidive beaucoup moins élevé. Donc rien que ça, c'est un de nos arguments, entre guillemets, de vente, même si notre ASBL est constamment en sous-financement, comme beaucoup d'ASBL, et qu'on risque de fermer, peut-être pas l'année prochaine, mais si on ne trouve pas des solutions dans les années à venir. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, c'est au-delà de la formation, on a parlé des comptes en banque. Parce que vraiment, je pense qu'il y a un prédéterminisme social. Et quand on parle d'une société, du rôle de l'éducation, du rôle du scolaire, en fait, de facto, notre société est exclue dès le début. Et je veux dire, les écoles ne tirent pas forcément vers le haut. Donc il y a vraiment une faillite du contrat de l'État. Et en fait, à la base, un détenu, peu importe son crime, est privé de liberté, mais pas de ses droits. Or, le nombre de détenus qui disent, parce que des fois, ils se retrouvent aussi impliqués par le frère, la soeur, c'est pas forcément toujours eux. Et sans vouloir les excuser pour autant, parce que le travers du temps, ils assument tous leurs crimes ou leurs peines. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié. En fait, ils sont emprisonnés, et certains, vraiment, il y avait besoin. Ça peut être le mauvais avocat, parce qu'ils n'ont simplement pas les sous pour payer un bon avocat. Et ils vont se retrouver, ils avaient un boulot, une femme, des gosses et des amis, ils sortent, un an et demi après, ils n'ont plus rien, ils n'ont même plus de logement. Et ce n'est pas évident, donc ça va dépendre, en fait, on parle aussi de... deux sortes de peines en prison parallèles. Il y a celui qui a sa femme qui vient, qui fait que ça l'aide à tenir le coup, qui l'aide à cantiner, donc la maman et machin, qui leur donne les petits sous pour acheter. En prison, tout coûte trois fois plus cher que dans le supermarché ici, il faut le savoir. Trois fois plus cher. Dans des situations où il y a, oui, des fois plus même, et donc il y a un vrai abus. Là, on dit, ah, mais ils peuvent travailler en prison. Je crois qu'ils sont payés autant qu'un petit enfant chinois dans les usines. Hein. Ils ne sont même pas un euro par jour. Enfin, c'est une espèce de honte. Est-ce que les prisons encaissent et prennent encore deux tiers, enfin super, on se l'argent. Les prisons se font de l'argent avec des détenus. Et il faut savoir aussi un truc, c'est plus la prison est sécurisée, plus elle coûte cher. Or, si on investissait dans un programme,
On avait calculé, c'était quoi, 65 000 euros par détenu par an. Et dans tout ça, il n'y a même pas de programme, hein, social, d'investissement, de machin, où c'est vraiment du bullshit entre la gueule du monde, pardon, je me permets. Mais sinon, je veux dire, globalement, si on investissait ce même argent dans des maisons ouvertes, là, vraiment, avec des obligations, des bracelets électroniques, ça coûterait dans les 20 000, et en plus, cette personne pourrait travailler la journée, elle aurait juste l'obligation de rentrer le soir. Donc il y a vraiment des peines alternatives, et elles marchent, elles fonctionnent. Or, ce truc de castration de l'humain, en fait, parce que c'est ce qui fait que les gens récidivent, s'en foutent, ou deviennent rebelles à toute autorité, parce qu'ils n'ont pas de projet, on ne les accompagne pas dans un projet à eux. Donc c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire. À Rennes, quand on parle de la super prison 5 étoiles qui est en train d'être construite, chaque détenu va coûter 1 million d'euros. C'est joke. Alors si on sait qu'un détenu coûte 65 000 euros à la société, tu lui donnes ça directement, il n'est plus détenu. Hein. Il ne vole plus, il ne triche plus, il ne ment pas. Même pire, il va se lancer son business. Ça, je veux dire, donc ça, la capacité à donner les moyens aux gens, en fonction de là où on va naître ou pas. Je veux dire, moi, je me suis posé la question parce que j'ai discuté avec des juges d'instruction et ils me disaient, mais en fait, on est tous des criminels en puissance. Le geste malheureux, le en voiture. Combien de fois il y a un gosse qui ne m'a pas sorti comme ça, je fais, merde. Et je me dis, mais dans ces cas-là, je perds tout. Ma maison, mon gosse, mon machin. Et je me dis, ok, c'est bonne guerre parce que je pense que je culpabiliserai tellement que j'aurais besoin d'une rédemption. Mais je fous en l'air aussi ma famille. Donc, je veux dire, il y a une question à se poser de comment on peut réintégrer tout ça, ou intégrer des gens, intégrer la différence, quoi, que ce soit les vieux, les handicapés, le pauvre. Je veux dire, on est dans une société où on exclut 80% de la société. Donc il y a aussi toute une question éthique à se poser de où est-ce qu'on veut aller, où on se stigmatise les gens entre les uns avec les autres. Ok, où est-ce qu'on veut aller? Donc, je vous invite, pour rentrer quand même plus en détail, à lire quand même le livre de Maïté. Qui est chouette et qui permet de comprendre son univers. Mais à la base, ce n'est pas une femme de détenue, c'est un vrai être humain qui était en couple et qui était redingue amoureuse et qui avait 20 ans. C'est pas la même chose. Je voulais juste rebondir sur les jeunes. Moi, personnellement, j'ai été placée dans les centres à la base juste parce que j'étais mineure en danger. Donc, quand il y a de la maltraitance et un absentéisme scolaire, on n'est pas forcé de commettre un délit. On écope d'un juge de la jeunesse. On est traité comme le plus grand des serial killers. On est menotté quand on fait une fugue. On est fracassé à l'arrière de la voiture de flic pour avoir fait une fugue. On est menacé de centres fermés parce que pour les filles, ils sont beaucoup plus sévères que pour les garçons qui généralement commettent plutôt des délits avant de se faire enfermer. Et finalement, dans les centres, j'ai connu la drogue, j'ai connu la rue, j'ai connu la violence des éducateurs, parce que tous les éducateurs ne sont pas spécialement faits pour ça. Et j'ai envie de dire que les trois quarts des jeunes qui sont placés dans ces centres, finalement, souvent en sortent pire, et que un sur trois devient détenu par la suite. Et donc, c'était pour moi un point très important à soulever, parce que je pense que si la société se dédouanait moins dans l'aide qu'elle est censée apporter aux mineurs, à la jeunesse, à la colère qui gronde dans les rues, il y aurait déjà un énorme souci en moins. On parlerait peut-être déjà moins de surpopulation carcérale. On donnerait une chance à ces jeunes qui finalement sont parfois simplement condamnés d'avance à aller tout bonnement en prison. Combien de fois j'entends pas bêtement des professeurs à l'école qui me disent, moi, à une rentrée scolaire en septembre, je sais déjà d'avance que je dois séparer ma classe en trois. Il y aura les premiers de classe, ou les têtes, qui vont suivre régulièrement et qui vont très bien réussir. Il y a le deuxième groupe d'enfants qui vont peut-être réussir si je les pousse un petit peu vers le haut. Et il y a le troisième groupe que je condamne déjà d'avance parce que je sais qu'ils vont freiner la classe et je ne veux pas de ces élèves. Et donc ces élèves sont déjà stigmatisés. Et ça engendre évidemment de l'absentéisme, de la violence, du rejet, de l'injustice. Et quand il se passe ce genre de choses, on brosse. On commence à commettre des actes qu'ils qualifient d'actes criminels ou qualifient infraction. Et ça devient tout un engrenage. Et parfois, quand on parle avec ces jeunes, ou avec ces jeunes devenus adultes, et qu'on creuse jusqu'au début de tout ça, finalement c'est un problème de papa, de maman. Et point. Et je trouve ça hallucinant que finalement, pour un problème aussi humain,
on en arrive oui, on les jette, on les condamne. Moi, personnellement, un jour, un éducateur m'a dit, tu ne fais plus partie de ce centre, au revoir. Alors que j'étais légalement et par justice placée dans ce centre. Et je lui ai dit, mais enfin, je ne sais pas. Il m'a dit, mais je m'en fous, tu dégages. Et j'avais 17 ans, j'étais SDF. Et à ce moment-là, oui, on commence à commettre des délits. On se drogue, on vole, on fait tout pour survivre. Et une juge, généralement, convoque tous les 3, 4, 5, 6 mois les jeunes qu'elle veut voir dans son bureau. Et le jour où je suis arrivée dans son bureau, l'éducateur a dit, mais non, madame, cette jeune fille ne dort pas sur les ponts. La preuve, je ne l'ai pas déclarée en fugue, elle dort toujours chez nous. Comment vous voulez ne pas avoir de colère, et j'ai même presque envie d'utiliser le mot haine, envers les adultes, envers la société, envers tout ce qui finalement, moi à cette époque-là, je me disais, mais en fait il y a deux mondes. Il y a le nôtre, par terre, et puis il y a les gens qui passent devant moi, qui ne me regardent plus. Et j'ai envie de dire, vu que la justice est une loterie, j'ai jamais été en prison. Alors que pour ce que j'ai commis, finalement j'aurais pu. Je veux dire, j'ai pas fait des choses ultra gravissimes, mais je veux dire, et puis en tant que mineur, bon, on n'est pas aussi sévère, mais moi aussi, j'aurais pu finir à Birkendal, et par je ne sais quelle chance, j'y suis pas allée. Donc voilà, c'est vraiment, la justice est une loterie, la justice n'est pas juste, et j'ai envie de dire que quand il y a un procès, la justice tente de rassembler des preuves pour constituer une vérité judiciaire, mais la vérité judiciaire qui est démontrable par des moyens matériaux n'est pas la réalité, la vérité. Je veux dire, une parole n'est pas démontrable, une menace sans témoin n'est pas prouvable. Et donc finalement, on se retrouve devant un panel de soi-disant experts qui vont vous juger d'après leurs expériences et qui font des dégâts monstrueux. Et finalement, voilà, j'avais envie de parler des jeunes, comme tu parlais des centres, et puis comme toi tu les accompagnes, parce que pour moi, le principal du travail doit aussi partir de ces jeunes. Parce que qu'on soit enfant des centres, qu'on soit enfant de détenus, je pense à mon fils là du coup, ces enfants font partie de la jeunesse de demain. Et donc il y a un jour où il faut se dire qu'ils font partie de cette même autre jeunesse qui est considérée comme l'élite, ou en tout cas prioritaire, et qu'il faut les aider et ne pas les abandonner. Voilà. On voit, la Belgique a le plus haut taux de détenus par habitant au niveau européen, donc c'est bien, on est quand même premier que dans quelque chose, et pareil pour le taux de récidive. Plus haut taux, on peut être fier de récidive quand même. C'est qu'il y a un problème dans la société. Dans ce genre, là, je crois qu'on bat pas mal de records. Hein. Les chiffres sur les gamins qui sont placés, donc en général, ben justement, qui ne distinguent déjà pas un gamin qui a une déviance et qu'on n'essaie pas de le récupérer, ça on le sait, mais un enfant qui a simplement pour crime d'avoir des parents déviants et qui se retrouve placé, donc en situation de victime, pareil, il n'y a pas d'aide, donc il y a tout un circuit à remettre en question et qui coûte une fortune. Parce qu'il faut savoir, c'est comme les pauvres, ça rapporte de l'argent. Il y a toujours des gens. La pauvreté, gérer les politiques de lutte contre la pauvreté, rapporte des sous, et ça va être pareil pour ceux des détenus. Ceux qui construisent la super prison, ceux qui ont les contrats, c'est bravo, quoi. Jackpot. La moitié, il l'aurait intégré justement dans des formations. Après, on a heureusement des détenus des anciens détenus à qui on a tendu les mains, qu'on su les prendre. Je pense que les trois quarts sont leur temps, les mains, ils vont la prendre. Je veux dire, il n'y a pas. Je pense qu'il y a des cursus de rebelles à un moment donné dans une vie. Ou de fâcher, mais je veux dire, souvent ces gamins-là ont été. Parce que même quand ils étaient plus âgés, en fait, c'est des gamins qu'on aurait pu repérer et essayer d'aider. Et c'est là où on peut tous s'interroger sur la société qu'on construit. Oui, justement, pour rebondir sur ça avec les jeunes, je vais vous parler juste un peu de cet SBL, Extramuros, donc, que j'ai créé quand je suis sorti de prison, parce que bon, je voulais donner un sens à tout ça et pas. Me plaindre, être traîné, se passer comme un boulet de forçat. Donc voilà, j'en ai fait du positif. Et donc j'ai créé cette SBL, et cette SBL sert à quoi? Bon, je vais beaucoup dans les écoles à faire des témoignages, sensibiliser à la délinquance en expliquant un peu comment ça s'est passé pour moi en tant qu'enfant, quoi, et ce qui a fait de moi un bandit. Mais parler de la résilience aussi, montrer qu'on peut se relever, hein, comme le disait Mandela
à son époque, l'essentiel dans la vie, c'est pas d'éviter de tomber à tout prix, mais c'est d'avoir cette capacité de se relever. Donc moi, j'ai eu cette capacité un peu tard, c'est vrai, pas moins de 50 ans. Donc j'ai créé cette SBL, et cette SBL, en fait, je réunis des jeunes qui vont bien, des jeunes qui vont pas bien, qui ont même déjà été en IPPJ, et des jeunes qui ne marchent pas, donc porteurs de handicap qui les empêchent de marcher. Et j'ai des joëlettes. Donc une joëlette, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un fauteuil tout-terrain sur une seule roue avec une suspension, des brancards à l'avant, à l'arrière. Et on peut rajouter des lanières et on peut tirer un peu comme le principe de, des chiens traîneaux. Donc on peut tirer à 7-8. Nous avons été dans les Pyrénées, nous sommes montés à 4000 mètres. Donc voilà, on va vraiment dans des chemins inaccessibles. Et tous ces jeunes qui vont bien et qui ne vont pas bien, ils se mélangent, quoi, et on essaye de faire un chemin. Donc moi, je récolte des sous, honnêtement, hein, je demande s'il vous plaît, et donc je reçois là des dons, à gauche, à droite, quoi. Et j'organise des séjours. Donc on part dans les montagnes, souvent, quoi, et on essaie de faire un chemin, donc s'apprivoiser, pour parler, parce que justement, moi, je viens avec ce passé qui me rend un peu plus sensible par rapport à tout ça, et voilà, et j'essaie d'en accompagner certains, j'essaie de faire ma petite tâche, quand même, pour donner un sens à tout ça, et les sensibiliser donc, à tous ces pièges de la vie. Donc je vous laisserai là des petites cartes, hein, c'est Extramuros à SBL, donc j'ai un site internet, il y a des vidéos, tout est expliqué, qui j'étais avant, qui je suis maintenant. Voilà, pour donner de l'espoir, quoi, parce que la résilience, elle existe quand même. Moi j'ai su saisir des mains qui m'ont été tendues, donc voilà quoi. Même si ça n'a pas été facile, mais enfin bon, il y a moyen si on s'accroche et qu'on fréquente les bonnes personnes. Donc voilà, avec l'SBL, et j'espère qu'un jour, peut-être, je pourrai venir avec mes joëlettes et organiser des balades ici à Bruxelles et montrer que cet engin existe et qu'on fait de la cyclodance aussi, donc on permet aux personnes en fauteuil de danser avec des valides, parce que ces gens ont le droit de danser aussi, c'est aux valides à faire un effort. Donc on fait ça avec des jeunes, on a intégré un jeune ou deux de l'IPPJ de Braine-le-Château, donc on essaie un peu, et on a un projet joëlette. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être là pour eux et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc si vous connaissez là, des sociétés qui ont de l'argent, qui ne savent pas trop quoi en faire, mettez-les en contact avec moi, je leur ferai un dossier et leur expliquer. Parce que voilà, j'ai un autre projet, c'est racheter une ancienne ferme et partir avec les jeunes les plus abîmés. Essayer de faire un chemin avec eux, leur mettre de nouvelles valeurs dans la tête, travailler un peu là, la terre, un peu comme fait Guy Gilbert, hein, dans ces trucs-là. Mais comme les hippies, moi je préfère la façon hippie dans les années 60, début 70, avec cette mentalité. Et autonome, quoi, mais faire un chemin ensemble. Essayer un peu de... Voilà, parce que ce qui est important pour moi, ce sont les valeurs. Voilà, et les valeurs, normalement, ce sont les parents qui les inculquent, qui les infusent dans l'enfant, hein, pour... Il y en a qui n'en ont pas, donc il faut leur en donner. Donc voilà. Je vous laisserai les petites cartes. Merci. Je peux poser une question ? Oui, justement, c'est j'allais juste... Oui, vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire une dernière chose. Avec la violence du système actuel mis en place, il y a un énorme fossé qui se crée entre les agents, les détenus et les familles, alors qu'on est finalement tous considérés de la même manière, ou pas considérés de la même manière, qu'on est tous dans le même sac. Et donc je pense qu'il y a un moment où il faudrait qu'on puisse essayer de s'écouter les uns les autres pour comprendre nos réalités, j'ai envie de dire, carcérales. Et du coup, essayer de repenser toute sa réalité, enfin, de remémorer toute sa réalité plutôt pour en construire, reconstruire autre chose sur base de ça pour que cette violence du sécuritaire plus puisse se calmer. En Afrique, on dit, il y a une phrase que j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup fait l'Afrique, on n'en a pas parlé, mais il y a une phrase qu'on dit toujours, c'est qu'il faut tout un village pour grandir un enfant. Et je pense que c'est un peu ça, en fait, c'est tous ces parcours qu'a bossé, mais si tout le monde s'en mêle un peu, voilà, on arrivera peut-être à faire une société mondiale. On ouvre les... cette question-là, parce que c'est vrai qu'elle est... c'est pas évident du tout, parce que effectivement, il y a des femmes, d'autres femmes qui me soutiennent, mais qui tiennent absolument à rester dans l'ombre, totalement anonymes, à cause des représailles justement des agents, des insultes et de la stigmatisation qu'on subit en société si notre nom est dévoilé ou notre visage montré. Moi-même, après certains reportages ou certains articles,
J'ai quelques encouragements du milieu associatif, mais je veux dire, quand, au bout de la 300e insulte, j'ai arrêté de lire parce que on se sent enfin, complètement dévalorisé et pas bien. Et en fait, on se rend compte que la société n'est pas prête à entendre ce type de discours. Et ce qui n'est pas évident, c'est que donc, comme il y a très peu de femmes qui parlent, je m'en prends plein dans la figure. Donc, j'ai pas non plus tout un réseau derrière moi. Il y en a quelques-unes qui me soutiennent et qui m'aident parfois à trouver certains renseignements, à amener certaines choses. J'avais créé un petit groupe Facebook qui ne sont réservés qu'à elles, dans lequel on fait des débats et on en parle. Et je leur demande leur avis, leurs idées. Mais après, on est 30 sur 76 000 personnes, c'est très peu. Donc oui, il y a une forme de solidarité et d'aide, mais qui est vraiment minime. Où c'est énorme. Où c'est énorme. 30, c'est déjà... C'est déjà pas mal. Oui, enfin, avec... Enfin, oui. Ouais. Sur le nombre de femmes, c'est très peu. Bravo. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a certaines femmes avec qui ça ne passe pas, parce qu'elles sont dans la violence, dans l'insulte. En 2016, j'ai eu énormément de conflits avec ces femmes parce que j'ai voulu adresser la parole aux agents. On m'a vu serrer la main à un agent et essayer d'ouvrir le dialogue avec eux et on m'a craché dessus à cause de ça. Donc, ça, même des femmes avec qui ça ne passe pas. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas représentative de toutes les femmes. J'essaie, moi, d'utiliser ma propre histoire pour parler d'une cause. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, je tenais absolument à ce que ces autres femmes puissent parler. Et parce que juste faire état de ma vie, je veux dire, c'est pas intéressant. Il y a un problème humain et social derrière dont je voulais parler. Et la deuxième question, c'était... Journée type. Oui. La journée d'un combattant. surtout depuis que je suis maman, c'est encore plus difficile. Déjà, je pars de chez moi vers midi. Il y a les transports en commun, le métro, le train, l'attente. J'arrive devant la prison, je pense, 2-3 heures plus tard. En fonction des prisons, c'est assez différent. Par exemple, le Forêt ou Saint-Gilles, on devait faire la file pendant des heures et des heures le matin, parfois vers 6 heures du matin, dehors, dans le froid, sous la neige, sous la pluie. En espérant avoir peut-être une place à 14 heures. Donc c'est hallucinant. Maintenant, ça c'est Forêt. La prison où je suis, on peut attendre à l'intérieur. Il y a une accumulation de familles. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas où s'asseoir. Il y a des enfants qui crient dans tous les sens et qui sont pas bien. Des gens qui sont refusés et qui ne savent pas comment expliquer à leurs enfants que finalement ils ne verront pas papa. Et ce sont toutes des petits détails qui n'en sont pas pour un enfant et qui sont super violents. Je dois, il y a toutes mes affaires à mettre dans un casier, passer au détecteur de métaux, me disputer avec les agents qui refusent de m'aider parce que je dois pouvoir remettre mes chaussures, je dois remettre mon pull, ma ceinture, etc. Et donc à chaque fois on me dit déposez votre bébé sur la table. Si vous le faites tomber, c'est pas notre problème, mais si moi je le fais tomber, enfin, bref, c'est toute une dispute. Parfois on se fait. Ce sont pas spécialement des insultes verbales, mais ce sont des regards qui vous regardent, enfin, qui sont assez méchants, rabaissants. Il y a une vitre déjà quand vous arrivez, donc ça induit déjà le fait que vous pouvez être violent. On veut une séparation entre les visiteurs et les agents, et donc vous êtes déjà accueilli en tant que potentiel agresseur, j'ai envie de dire. Et finalement, ça ne m'étonne pas que des familles insultent, des familles frappent, des familles vont trop loin dans cette violence et n'ont plus les mots. Et une fois qu'on pénètre à l'intérieur de la prison, pour les visites à table, ça ressemble à une espèce de grande cafétéria avec tout le monde. Il y a des enfants qui ne voient pas assez leur père et qui sont tout petits. Et comme ils sont tous habillés avec un uniforme, et bien qui confondent parfois, qui partent avec un autre détenu. C'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est très violent et triste parce qu'ils, comme la construction du lien est pauvre, voilà, ils se trompent. Il y a une espèce d'ambiance comme si on était à l'intérieur d'une piscine.
enfin d'une piscine intérieure. Il y a parfois des disputes entre détenus et familles. Il y a souvent des interventions parce qu'il y a voilà, des disputes, un point qui part. On est constamment pressé par les agents, on doit faire attention à ce qu'on fait. Si je mets ma main dans ma poche, je ne sais pas, pour prendre un chewing-gum, ça pourrait passer pour un geste... qu'on soupçonne de vouloir passer du shit, par exemple. Et donc, les familles qui ne sont pas dans l'apport de substances illicites sont pénalisées à cause des familles ou des agents qui le font, parce que les agents participent aussi au trafic. Et la visite passe très 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 vite. Et puis à la fin, quand on s'en va, c'est une espèce de déchirure constante qu'on revit à chaque fois. Et c'est une espèce de... Oui, c'est la même scène qui se rejoue et qui se répète et on se déchire encore et encore. Et une fois qu'on sort de là, mon fils est tellement exténué qu'il ne bouge plus et qu'il s'endort. Et il pleure énormément aussi pendant les visites, donc c'est pas évident à mettre en place. Et quand on est rentré, il est plus ou moins à 20h. Et finalement, toute la journée a été dédiée à la prison. Et comment fait-on son travail? Je sais pas. C'est voilà. Concernant, monsieur, si vous pouvez nous parler des alternatives. Vous avez cité des exemples comme l'Irlande ou la Suède. Donc, quelles alternatives au système carcéral actuel? Mais notamment ce qu'on pourrait appeler les prisons ouvertes. Donc, il y a ça dans ces pays-là, il y a ça au Luxembourg aussi. Donc, c'est que le détenu, dès qu'il est en détention, puis cet acteur de sa réinsertion dès le départ. Et pas quand, ici en Belgique, c'est quand il est dans 7 ans. Être dans 7 ans, c'est d'avoir un certain temps sur sa peine. Quoi. Et là, on commence à s'intéresser à lui. Je veux dire que là-bas, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a des formations. Généralement, ceux qui sortent de ces prisons ouvertes sortent, ils ont un logement, et ils ont une formation, et ils ont un contrat de travail. Donc tout ça, ils font ça au Canada aussi. Hein. C'est vraiment ici, dans cette partie, où les choses n'avancent pas et ne semblent pas avancer, quoi qu'on puisse dire. Quoi. Donc bien sûr, il y a des alternatives à cette détention. La détention devrait rester le recours ultime, vraiment, pour les délits où là, il n'y a pas d'autre solution. Les cas les plus graves, quoi. Mais la plupart, je ne sais pas, quand vous allez dans les prisons ici chez nous, tous ces jeunes, que font-ils là, quoi? Surtout qu'on ne leur offre aucune perspective d'avenir. Ils sortent de là enragés. Et je n'invente rien. Vous le voyez dans les actualités, tout ça, comment ça déborde de différentes façons, pour de différentes courses. Je veux dire, le but, il est là, quoi. C'est que dans les prisons, on s'enfonce de plus en plus. C'est un peu comme Dante, il disait, toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Parce que voilà, c'est comme ça. Et on ne nous en donne pas. Tandis que là-bas, oui, vous savez, en Suède, on vient souvent avec ces pays, comme en Finlande. Il y avait une émission qui passait sur Arte, vraiment très intéressante, hein, où on leur apprenait, même pour certains, à vivre avec des femmes, donc au réfectoire et tout ça. Bon, peut-être pas en CPE, ils n'appellent même pas ça une cellule, une chambre, mais surtout, ils sont acteurs, ils travaillent. Voilà, ils ne sont pas en cellule à regarder la télé du matin au soir, en n'ayant que pour seul objectif, et c'est légitime, de fumer et prendre des médicaments, tout ça, pour faire passer le temps. Hein. Ici, en Belgique, c'est 24 heures sur 24, il y en a qui sortent même pas au préau. Donc, ils sont tout le temps en cellule à regarder la télévision et de trouver une solution pour essayer de s'évader. Parce qu'il faut s'évader. Hein. Tous, ils n'ont pas le potentiel intellectuel pour se mettre dans les études, essayer de trouver une alternative à la détention avec l'imaginaire, tout ça. Hein. Donc, c'est beaucoup les médicaments et la drogue, le shit et l'héroïne hein, qui fait un dégât monstre. Et que fait-on par rapport à ça? Non, on ne fait rien. À la limite, il n'y a même plus de fouilles, donc ça rentre, et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. Il y a un business monstre. Mais ça, on laisse faire. Voilà. Alors, évidemment, qu'on prend exemple, parce qu'on se dit, ça marche là-bas, et pourquoi on ne le fait pas ici? Et nos politiques, alors, ils servent à quoi? Enfin, je ne sais pas, on les a mis au pouvoir pour essayer aussi, et puis maintenant, ils sont là, ils ne font rien. Si, ils vont faire dans le sécuritaire, et vous voyez, ils visent de plus en plus, mais à tous les niveaux. Hein. On est vraiment maintenant dans une politique
Moi, je me souviens d'un des vieux qui disait, mais plus jamais ça, mais si, on y vient, hein, tout doucement. Hein. Donc voilà, bien sûr, il y a des alternatives, mais ici, nos politiques, ils n'en veulent pas. Alors, que faire? C'est vrai que moi, je suis sorti en 2004 et rien n'a changé, fondamentalement, rien n'a changé. Et la plupart des détenus vont à fond de peine. Voilà ce qu'on leur donne un peu comme possibilité d'aller en fond de peine. Sinon, c'est les conditionnels où là, on vous impose plein de choses. Vous savez, quand vous sortez de prison, ils vous demandent un contrat de travail. Mais comment voulez-vous chercher un contrat de travail en prison? Ils ne peuvent pas avoir Internet, ils ne peuvent pas avoir toutes ces choses. S'ils ont un GSM, ben, ils sont punis. Alors, pourquoi ne pourraient-ils pas avoir Internet et rester en contact avec l'extérieur, même suivre des formations à tous les niveaux, hein, trouver, enfin, rester en contact avec l'extérieur? Il y a des alternatives, mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Un autre truc auquel on n'a pas parlé, parce que pour nous c'est évident, les appels téléphoniques coûtent 3 à 4 fois plus cher. Il y a beaucoup de détenus qui sont étrangers. Skype au 21e siècle, ça coûte rien. On n'y est toujours pas. Je veux dire, ils ont la vie là-bas est 100 fois plus difficile, hein, pour eux. Et ça rapporte rien, tandis qu'en leur faisant, en l'obligeant... Mais le téléphone 3, 4, 5 fois plus cher que le téléphone à l'extérieur. Alors ça coûte rien, tous les gosses, sans WhatsApp, c'est gratos. Mais je veux dire, oui, mais c'est ça, ils se font de l'argent dessus, précisons. Et c'est toujours au nom du tout sécuritaire. Dans les alternatives, moi j'ai vu des fermes, donc c'était un peu à la campagne, où il y avait 10 détenus, et ils étaient libres, il n'y avait pas de bracelet électronique. Donc ils travaillaient au champ, le soir ils rentraient, ils avaient des horaires de visite le week-end ou quoi, et tout se passait cool, et personne n'avait remetté ça en question. C'est-à-dire, la sanction, souvent, ils l'acceptent. Et du coup, ils apprenaient un métier. Ils disaient, ah, maintenant je me sens serein, avant j'étais fâché, maintenant je vais bien. Vous voyez, les gens, s'ils ont fait en général une boulette, on veut bien soit s'excuser, soit la réparer, enfin, je veux dire, en fonction du niveau. Donc, c'est pas ça qui est remis en question. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette boulette? Je veux dire, on dit, quand on éduque un enfant, tu lui laisses une porte de sortie. Tu vas le retrancher. Donc, mon fils, s'il fait une connerie, je lui propose une alternative. Après, on est bien d'accord, c'est des gentilles conneries. Mais je veux dire, c'est pareil pour un adulte. Je veux dire, tu peux pas retrancher quelqu'un parce que le réflexe va être beaucoup plus violent. Moi, on me coince, je vais pousser. Si on me coince pas, je pousse pas. Enfin, je veux dire, mais c'est une façon de... C'est pareil psychologiquement avec les détenus. Mettez un humain en cage, parce que c'est un humain en cage. Hein. Ils sont 4-5 sur un truc de mètre carré comme ça. Ils chient les uns devant les autres, ils ont droit à une douche par semaine. Ça dépend des cellules. Mais c'est quoi? Pardon, mais les chiens, on aurait la SPA devant la porte directement. La Société Protectrice des Animaux. Je veux dire, mais on peut pas mettre un humain, on peut pas mettre 4 humains dans un mètre carré comme ça. Parce que même nous, on doit prendre l'air. Mais là, avec les grèves, on est tous en train de s'inquiéter. Parce que c'est leur qualité de vie, entre guillemets, qui vont baisser. Quand on dit oui, ils ont tout et tout. Non. Un détenu qui n'a pas la famille qui finance derrière, il n'a pas la télé, il ne va pas manger, il n'aura même pas sa brosse à dents. Si tu n'as pas quelqu'un derrière toi, tu n'as juste rien. Donc tu vas demander en plus au gardien s'il veut bien être gentil de donner un peu de papier de toilette. Ça devient vite difficile, hein, ta vie. Donc ceux qui ont les familles derrière, ça va. Ils peuvent donner des sous, il y a des cantinages, mais je veux dire, si tu n'as personne derrière toi, c'est juste rien. Et là, on va faire de toi quelqu'un qui va rentrer. Tu es obligé de te déshumaniser en prison pour survivre. Je veux dire, si tu n'as pas soit un mental, soit une souffrance. Mais même, je pense que quelqu'un qui a un mental normal, en fait, sort de là pas normal. Moi, je n'ai jamais vécu l'enfermement. Mais non, mais c'est vrai, juste quand on a la jambe cassée pendant 3 semaines, on devient fou. Je veux dire, voilà, mais il faut imaginer. Déjà, ça t'atteint au niveau du psychique, dans des conditions beaucoup plus violentes. Je veux dire, il faut être quand même un peu costaud, quoi. Mais ils ont fait des scanners de cerveau avant et après l'entrée en prison sur l'activité. Et pendant que les personnes étaient en prison, en fait, il y avait des zones qui s'atrophiaient. Donc c'est une façon de survivre. Maintenant, on sait aussi que neurologiquement, ça peut se reconstruire. Mais c'est des traumas et en fait, on est obligé de se distancier. Moi, personnellement, je n'ai pas fait de prison, mais je pense qu'on a la croisée des mamans, des papas, des grands-pères, des enfants, des détenus. On les voit tous, on est un peu au milieu de tout ça. Et c'est clair que moi, j'ai pas peur en général de leur tourner le dos. Donc, on est aussi en dehors. Après, on est aussi dans un lien un peu spécial, puisque on vient avec leurs enfants. Donc, c'est clair que c'est pas nous qu'elles vont avoir des ennuis. Et en général, les gardiens nous connaissent aussi. Nous, moi, je suis pas du tout dans un truc agressif. Je veux pas ça. Ça m'arrive d'être en colère, mais j'essaie de pas le montrer parce que ce que j'ai peur, c'est que ça fasse des dégâts, que ça compromette les entrées des enfants ou des intervenants. Donc, nous, on a appris à faire profil bas. Et par contre, je comprends qu'en tant que femme de détenue, t'es pas envie ou t'es... C'est pas le même mandat. Moi, je suis pas impliquée directement, c'est pas mon enfant. Hein. Mm-hmm. Parce que quand on touche à mon enfant, je te promets, je suis lourd aussi. J'imagine.
is the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king, the frozen hallelujah. Thank you.